Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Affaires. J'espère que vous allez bien les amis. Nous continuons slash commençons Reus 2 puisqu'il est enfin sorti. On avait énormément blindé la démo il y a ma foi fort longtemps, presque 6 mois. Du coup, le jeu est enfin sorti il y a 3, 4, 5, 6 jours. Donc découvrons ensemble l'entièreté du jeu si possible. Alors, petite chose, le jeu n'est pas disponible en français. Donc il va falloir que je remémore tout ça parce que déjà ça fait un petit moment. Surtout c'est en anglais et il y avait plein de choses qui n'y étaient pas à l'époque en dans la démo. Allez, c'est parti. Alors, new game. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ce principe d'esprit d'humain qui servait un peu de mission, entre guillemets, sur les runs. Parce que c'est vrai que c'est devenu une sorte de roguelike. Enfin, le 1 était déjà une sorte de roguelike. Oh, du coup, ils ont dû ajouter d'autres géants, mais ouais. Alors, le sage prend soin de son peuple et de sa tribu. Nourriture est basée sur la santé de la population. Toutes les plantes gagnent plus 20 de nourriture. Il me dit rien, celui-là. L'inventaire, il y était, ça c'est sûr. Plus 40% de science si le bioticket est unique au biome. Il cherche de la science, d'accord. Et la déesse, il cherche de l'or. Je pense que le monde tourne autour d'elle. Peut-être même l'entièreté de l'univers. Ah, la biotica dans la cité de la... Dans les frontières de la cité de la déesse, gagne plus 50% de nourriture, de science et d'or. Particulièrement intéressé. On peut choisir un personnage aléatoirement. Alors, on va prendre le sage, ça me paraît plus simple. Et nous n'avons que les trois... final. Full draft. On ne pouvait pas changer avec les quêtes tutoriels. Ouais, on va le refaire. Je pense que c'est mieux. Difficulté. Alors, relaxant. Les cités grandissent, enfin croissent beaucoup plus rapidement. Vous avez un bonus d'Eon à dépenser à chaque. Oh, ah, je me rappelle plus c'est quoi le Eon. Oh, ouais, on va refaire géant. Ouais, c'est la difficulté de base. Titanique. Vous avez 10 Eon de moins par R pour compléter vos goals. Enfin, vos goals. vos buts, pardon. Oh, ils ont même fait une blague sur la difficulté titanique. Oh, joli. Si vous touchez un iceberg flottant, vous coulerez. Oh, c'est ça. Alors là, j'ai cru que j'avais mal lu au début, mais non, pas du tout. Ok, eh bien, j'ai en forêt. Oh, je me rappelle même plus quel géant il y avait. Mais attends, il me semble pas que... Attends, créer de la forêt, créer de l'océan. Créer du désert, montagne. Si, si, bah, c'était le géant dans la démo aussi. Créer une crique. Et deux côtés. Oh. Oh. Allez, on est parti. De toute façon, c'est le tuto. C'est la base. Ah non, il n'y avait pas le forêt géant. Ah, il n'y avait pas du tout le géant de la forêt. Ah, je m'en serais souvenu. On avait peut-être... C'était peut-être Marais qu'on avait dans la démo. Ouais, c'était Marais. Alors, première étape, construire une cité. Terraforme planète, créer biome. Attends, bilo, select terraforme planète. Oh! Bah, on va faire une forêt. Ah oui, c'est vrai. Alors, attends. On va faire une forêt. Parce que de toute façon, c'est majorité de nourriture. Cliquez sur le nomade dans la nouvelle zone.
31 jusqu'à la première ère. Attends. Ah, les éons, c'est l'unité de temps. Les éons passent lorsque vous placez un biotica. Quand assez d'éons est passé, les humains se développeront et avanceront à une nouvelle ère. Très bien. Dépenser 5 éons pour placer un bioticum. Ah, les biotica, ce sont les animaux, les plantes, les minéraux que les géants peuvent placer. Très bien. Et si t'es collecte des ressources d'elle, à créer un nouveau bioticum, utilise 5 éons. Sélectionner animal, plante. Attends, les villes avaient pas des quêtes? Besoin de 10 de nourriture supplémentaire dans ses frontières pour atteindre la population. Animal booster. Ok, plus 50% pour les animaux. Alors, ça va être un peu long. Alors, créer un animal, d'accord. Plus 20 d'or si adjacent à un autre bioticum critter. Un critter, c'est les petits animaux. Genre, les critters, c'est la petite vermine. Genre, les lapins. Un stoat, c'est pas genre une sorte de furet. Ça ressemble à une gueule de furet. Mais c'est pas furet, stoat. C'est une hermine. Qui est globalement un furet, mais différent. Alors, du coup, la nourriture, c'était plus important pour nous. Après. Ah, il n'y a pas encore de quête. Est-ce que j'ai pas une plante avec. Blueberry. 10 de nourriture si adjacent à un minerai. H. De la science. Ok. Plus 5 d'or c'est adjacent à une plante. Ok. C'est pas fascinant. Mettons un lapin ici. Et une hermine juste à côté. Avoir trop de population. Compléter la requête de la cité parce qu'il faut avoir des petites missions. C'est flippant le géant de la forêt. Hein. Ils en ont pas 3 là ? 2 sur 3 ? Alors, les deux premières requêtes vous donneront un nomade. D'accord. Draft to unlock Biotica. On peut le faire en partie, ça. Micro menu. Bon, il va falloir que ça me revienne doucement. Oui, c'est vrai que t'en as pour l'eau, le désert, etc. C'est adjacent à un minerai. C'est déjà ça une plante. Et les plantes. Ça ferait 20. Ça me va. Normalement. On va voir la population. Parfait. Appeler un nomade. Vous pouvez choisir de dépenser un feu pour choisir entre deux nomades pour créer une nouvelle cité. Alors les trois premières cités augmenteront votre limite d'éon, donc ça c'est l'unité de temps. Charges de nomades sont disponibles dans la boutique de la planète avec de la population. Oula, ça me dit rien du tout. Biodiversité, requis pour avoir plus
de biotica exclusif et plus fort. Chaque bioticum distinct présent dans un biome augmente de 1 par étoile. Il n'y a pas moyen d'en avoir plus. Là j'ai 4 parce que j'ai 4 plantes différentes. Ok. Créer une nouvelle cité. Faire du désert. Une nouvelle tribu. Aventureux. Oh, ils ont des... D'accord, ils ont chacun leur propre truc. Chasseuse. Extra plus 5 nourritures pour chaque mystère hein, dans ses frontières. Je sais pas ce que c'est. Aventureux. Ah bah, plus 5 d'or, 2 de nourriture, 2 de science pour chaque mystère. Bah, vaut mieux prendre la reine pirate. Adore les hautes mers et l'or. Alors, du coup... pas faire ça. Terraformer planète. Ah, c'est ça qui donne du mystère, d'accord, c'est les océans. Attends, je devrais la faire plus longue que ça. Histoire qu'ils se croisent pas avec l'autre ville. Et on va faire une petite ville dans le... désert, les amis. Presque. Elle dit qu'elle. Ah, après, elle dit qu'elle aime l'or, donc. Pourquoi pas, dans un désert, il y aura plus de minerais. Et on aura accès à d'autres bestioles. Alors, excusez-moi, je me remettais en place. Du coup, la reine pirate, comment est-ce que je la. Ici. Alors, le temps qu'elle arrive, Zou. Parce que moi, je pose pas de bioticum avant de savoir si c'est quoi leur mission une fois qu'ils sont installés, etc. Juste qu'ils aimaient l'or, de toute façon. Et effectivement, c'est plus 10, maintenant c'est 30. Très bien. Draft un Apex Bioticum. Hein. Sont bien plus forts qu'un biotica normal. Enfin ouais, d'accord. Devez les débloquer à travers le draft. Utilisez votre charge de draft pour initier, d'accord. Apex biotica also unlock a set of core biotica. Oulala. Océan, ce serait top. Anémone à plume blanche du thon. Plus soin de nourriture pour chaque poisson adjacent. Ah, ils viennent avec d'autres bioticums, c'est ça? Ou ce sera débloqué pour plus tard? C'est pas dit. Oh, ça fait du mystère, ça. Plus 2 de mystère et 10 de science. Pour chaque minerai adjacent, distinct. Ok. Bah, ce serait mieux pour la reine pirate, ça. Alors, on va prendre ça. Du coup, veut de la richesse. Ah, c'est pas lui qui pose les tons. Attends, pour chaque minerai adjacent. Gold booster, passer du... celui-là serait au centre, d'accord.
des minerais dans l'eau. C'est adjacent à une plante. Est-ce qu'on serait comme une plante, l'anémone? Est-ce qu'on serait comme du corail? Ah! C'est adjacent à un animal. Volcanique, gemme, élément. Vous êtes sûr que c'est pas considéré comme une plante? Mais si, c'est une plante. Océan plante. En plus, ça donnerait un de diversité. On voit pas très bien les slots par contre, ça c'est plutôt embêtant. Y a pas moyen de... Pas des options... Tac. Oula. Non. Ah c'est dommage, il me semblait que c'était plus easy que ça. C'est quoi ça? C'est une sorte de notif. Anémone de mer. Je dois faire tous les... c'est adjacent une plante, ok. Oups. Ouais, ça fait 30 technologies, 20 de nourriture, 6 de mystère. Ah, inspire un projet. Alors c'est bon, il y a les 3 de richesse sur la reine pirate, qui a pas de soucis. La cité suggérera un projet. Et sur le bouton d'inspiration. On peut choisir. Ferme à plus 40 à 100 de nourriture s'il y a 3-2 et 2-4 biotica souterrain. Undergrowth biotica dans vos frontières. Des herbivores. Des fruits. Plus 7-15 mystères s'il y a entre 3 et 4. Océan Bioticum distinct. Alors c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de le prendre tout de suite. Ça c'est bien. C'est très très bien. J'ai qu'un seul fruit. Qu'un seul fruit, qu'un seul undergrowth. Herbivore. Herbivore, j'en ai qu'un. Attends, c'est distinct, hein? Ah non, c'est pas distinct, ok. Là, prenons les fruits de piqueur dans ce cas. Les ramasseurs de fruits. Super booster, plus 50% de tout, d'accord. Compléter une requête de niveau 2. Forêt. Yes. Un pommier, parfait. Des fruits. Oh, verger, 0 sur 2. Plus 30 de nourriture pour chaque fruit adjacent. Ils viennent avec des écureuils. Hein. Herbivore, plus 5 nourriture, plus 1 de diversité si adjacent à un arbre, d'accord. Oh, un poirier. 5.
Zucori. Je sais pas ce que c'est. Plus 20 de nourriture si adjacent à au moins deux herbivores distincts. Bah du coup. Maximum de fruits. Ah, ça coûte cher cette merde. Oh mon dieu, il s'auto-boost 90. Planète parfaite, dépensez tout votre éon et complétez la planète. Ah, une fois qu'une planète a complété tout son éon, qu'il était dépensé. Ou lorsque. Attends. Lorsque vous voulez en mode jeu libre, prospérité est la mesure finale à quel point la planète a été un succès. Essayez d'en récolter autant que possible. Complétez la quête Challenger de votre Complétez les requêtes du village. Merde, ça m'a coupé le truc. En augmentant la prospérité. Plus vous en obtenez, plus de choses vous débloquerez dans le metagame, donc le jeu final, je suppose. Je trouve les sons des notifs un peu beaucoup trop forts. Pourtant, j'ai énormément baissé le son. Interface et c'est fixe aussi peut-être. C'est quoi le projet? Hutte de pêcheur. Plus 400 nourriture s'il y a 2-4 petits poissons, d'accord. Plus 400 d'or s'il y a des prédateurs. Ah bah on va prendre ça, vous voulez prendre mystère, non? Veulent de la richesse et de la population. Donc, ouais. Ouais, bah, nourriture et de l'or. Ok, bah, prenons l'or. Parce que... Attends, des prédateurs? Parce que j'ai un draft encore. Désert, avec un peu de chance, on tirera un prédateur. Ah, je peux tirer un deuxième sur l'océan et forêt. Juste, on t'empêche de te remonter. Non, la pile à vie, c'est que des minéraux. Ah, oh, 75 de science. Moins 25 de science pour chaque minerai adjacent. Plus un micro-slot. Waouh, elle me rappelle pas du tout de ça. Ah bah, il y a un prédateur ici. Eureka! Campement de mercenaires. Ah, c'est un truc pour les plantes! Foutez de moi! Est-ce que je peux continuer encore à faire? Est-ce qu'il est temps pour une nouvelle ère? Est-ce que ça met fin à la partie ou pas? Sauter cette ère pour chaque 5 éons qu'il vous reste sera transformé en bonus de 1 de prospérité. Compléter la planète. J'ai quand même fait un village de pirates, je trouve ça drôle. Oui, du coup, prédateur. Prédateur, c'est animaux. Un chat des sables. Passer de on... Ah, ouais, bah du coup, on est coincé. Ah, donc, ouais, on est obligé de finir. Triste. Alors, air calme. Difficulté facile. Voir au moins 30 de prospérité sur la planète. Avoir 3 colonies calmes. L'humanité avance vers une autre ère. Pas seulement avec une inspiration particulière ou un but clair en esprit. Attends.
Alors, chacun a une quête. Plus vous la complétez, plus vous gagnerez d'étoiles. Elle a une condition aussi. La plupart ont besoin d'une condition qui est sélectionnable. Les effets que l'air peuvent avoir qui vous aideront ou vous feront du mal. Chaque nouvelle étoile que vous achèverez ajoutera de nouveaux biotiques à votre collection. Âge minimum. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de ouf? Sélectionnez votre nouvelle herbe sur les options. Ah putain, mais on choisit? Âge de la philosophie, la technologie doit être votre statistique la plus élevée sur votre planète. Avoir trois cités avec trois de population, avoir cinq plantes uniques sur la planète. Révolution fermière. Jusqu'à trois cités existantes construiront une ferme supplémentaire pour gagner plus de nourriture, des plantes. Âge des monuments. Commençons la construction de monuments. Il donnera de l'or pour chaque cité sur la planète qui est plus petite que la cité du sage. Oh, le sage a 8 d'or, a 13 d'or, 2 éléments biotiques. Wow! Le sage a 40 de prospérité. Âge du fer, c'est. Ouais, principalement les minerais. Vous débloquerez le bioticum fer, d'accord. La reine pirate construira la grande forge. Il multipliera la science de tous les minerais dans sa frontière. Ah. J'ai rien construit sur la gauche. Attends, avoir 10 de technologie sur la planète. Ah oui, il y a la condition, genre avoir au moins une cité avec 3 technologies et 2 minerais dans ses. Oh, mais c'est trop bien! Ah, on pouvait choisir qu'une seule ère dans la démo. Grande forge, avoir 20 technologies sur la planète. 40 de curiosité de la grande forge. Attends, on multiplie la science. D'accord. Avoir 80 sur la planète. Ça a l'air drôle, là je. Là je calme, ça a l'air un peu mou. Ça me paraît plus drôle. Allez. Âge du fer. Quatre minerais sur la planète, ça c'est fait. Alors du coup on a 40 éons à dépenser donc cette fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, ils vont prendre plus de. Alors grande forge. X25 extra. Plus 0,5 pour chaque science des minerais dans votre dans vos frontières. Ok. Ah merde, ici c'est plantes. 15 de science, si. Compte comme un emplacement vide. Compte comme un emplacement vide. C'est-à-dire. Alors, le slot serait rempli, mais pour les. Ah, mais oui! Si! La condition, parce que t'en as, ils veulent. T'as certains animaux qui veulent être. Avec du vide autour d'eux, d'accord. Eh bien, du coup, prenons un. Faisons un petit panier. Parce que je sais que je vais poser à balle de minerai là, sur la gauche. À balle de minerai. 5 de science pour chaque fer dans ce biome. C'est adjacent à un fer, moins 3. Ah. C'est adjacent à une plante. Ça y a le double bonus. Faudrait que je leur donne à manger. La richesse. La richesse. Limestone. 75. Non, mais elle a pas besoin de technologie, la reine pirate. Oui, les prédateurs. S'il y a un minerai dans le biome.
ça ils ont un peu de nourriture. Petit prédateur. La richesse, ça va pas suffire. Il y a bien des poissons prédateurs, c'est possible, non? Ah, herbivore, merde. Enfin, je fasse des minerais de science dans l'eau. J'ai déjà fait ça. Merde. Compléter plus de planètes pour ça. D'accord. Le problème, c'est que là, la ville, elle est complète, en fait. Sinon, je vais mettre de la science sur la ville du sage. Chaque mystère. Parce qu'ici, j'ai mis des lapins, ici, il y a des vermines. Moi, c'est parce qu'il y avait des cases qui étaient boostées. Hein. Sur la planète. Passer à 9. Ah, fin de population. Après, ils étendent pas leurs frontières. Faut que je fasse une autre cité. De toute façon, là, on a forêt, désert, océan. J'ai un peu d'animaux. Ici, j'ai beaucoup de minerais. Ici, c'est full plantes. Faut que je fasse une troisième cité, ouais. Place. On peut pas étendre la planète. On peut pas étendre la planète. Ah là 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 là. Ah ouais, ça va être tout petit du coup. Ça va être tout petit. On va refaire une ville. Hein. Quoi. Le mineur, très intéressé dans la science de la part du mineur industrieux. 5 de science plus 2 d'or pour chaque mystère. Ah, donc proche de l'eau. Sceptique plus 3 de science pour chaque mystère. Non, c'est d'accord. Ouais, bah on va appeler le mineur. On va appeler le mineur et du coup, on va refaire de l'océan. Hein.
J'ai au moins deux herbivores distincts. Donc je mets un écureuil. De la population. Plus 5, plus 10. Avoir 3 technologies, 2 minerais dans ces frontières. Et ils sont partis entièrement dans l'océan. D'accord. Pas de slot précis en plus. Oh, quelle misère. Faire du mystère. J'ascends des minerais. Plus 2, plus 10. Ils ont un bonus après tout sur le mystère. Sont bons. Oui, ils sont très très bons. Des éléments de biotica. Comment ça, des éléments de biotica? Parce que là, il y a gemme. Ah, éléments! De science par science dans le minerai dans les frontières avec la plus haute valeur de science. Alors attends, il va falloir que je regarde parce que bon, déjà lui il fait 50, tu vois, c'est ah non 30, c'est pas dégueu hein. Village de mineurs, ils veulent de la richesse, de la science. J'aime biotica. J'aime et éléments. J'aime fois deux éléments. J'aime éléments. Ah, on a déjà deux éléments, donc on va faire le tailleur de pierre. Ouais, il passe suite. Ok, donc il faut juste que je mette quelque chose qui fait au moins 3 de richesse. Ça devrait être à notre portée, je pense. Ah, oh, mission de commerce. Lush Groven Sea agreed to export primitive tools to Prickle Dunhaven. Alors, ils s'échangent des outils primitifs, du coup, entre eux ? Qu'est-ce que ça implique ? Ils se donnent des ressources ? Invention, plus 1 de science, outil primitif. C'est mieux qu'une pierre sur un bâton. Ce n'est pas grand chose. Plus 1 de science. D'accord. Enfin, 1 de technologie, pardon. Mais ils ont l'air de revenir, donc ils vont se filer. Ah, il y a un symbole de richesse. Ah, mais oui, il y a la forge ici, donc du coup, ils se donnent des outils. Oh, c'est trop bien. Et ils ont quoi? Invention. Des boucles d'oreilles modestes, plus 1 de richesse. Produit de agate. Importé. Attends, agate? Ah, vu qu'ils ont la forge. Ils se créent aussi leur propre truc. Oh, c'est trop bien! Et par contre, là, je ville, rien du tout. Commencera une route commerciale lorsqu'il gagnera 1 de richesse de plus.
Invention. Ah, la nourriture, ça fait que dalle du coup. Oh, c'est l'arnaque. Oh, c'est pas dit du tout ça. D'accord. Mais putain, c'est génial comme principe. Alors, il nous reste que 5 éons, par contre, ça c'est la merde. Je devrais arriver à faire la mission. La mission du mineur. Faut juste que je mette un minerai qui fait de la richesse. Je pense que c'est à notre portée. 15, ça suffira ou pas? Large. Je suis obligé de poser un doublon, c'est pas très intéressant. On est serré sur cette planète, hein. Ah, c'est dommage. 18 sur 20 pour la technologie. Et bim. On a réussi leur mission. Un petit draft. Je vais pas drafter maintenant. Ah merde, j'aurais dû drafter. C'était une compétition de planètes. Âge de fer, j'ai fait qu'une étoile, c'est dommage. Et c'est dur hein, l'âge de fer. Biome distinct, 9. Vous avez obtenu ce bonus pour avoir 3 biomes distincts avec au moins 4 biomes uniques. Plus vous utilisez de biomes uniques, plus grande sera la récompense. Score final 80. Vous obtenez un Apex Bioticum comme récompense. Seule récompense. Bioticum Apex aléatoire pour l'océan. Il débloquera également une corde de biotica. Du coup, on l'a de base ou c'est une chance de tirer dans un draft pour les prochaines parties? Telle est la question. Des perles peut uniquement être posées dans les eaux peu profondes. Côtier plus 60 d'or si adjacent à une côte. Attends, je comprends pas. Pour moi, les eaux peu profondes, c'est être adjacent à une côte en fait. Oh, ça coûte 3 d'unique. Ouf. Un serpent de mer hein, peut uniquement être posé dans les eaux profondes. Chasseur des fonds. Plus 20 d'or si adjacent à un critter, d'accord. Jasper. Tiens, Jasper, ça ne dit rien par contre. De l'animal, plus 15 d'or si adjacent à un animal. Jasper, quelle traduction? Ah bah c'est Jasp. Ah mais putain je suis con, c'est le nom d'une pierre précieuse. Ah oui c'est une gemme. Ok, c'est juste pas quelque chose que j'ai vu souvent. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ah et on nous débloque le géant. Démarre. Oh, attendez, ça va trop vite, secondaire. Star Biotica. Alors attendez. Vous pouvez maintenant amener le géant des marais en tant que gardien des plantes. Vous pouvez créer de la forêt. Ah merde, Marine Forest. Forêt tropicale. Ajoute de nouveau Biotica. Se concentre sur la biodiversité. Secondaire. Vous pouvez maintenant vous avancer à la secondaire. Upgrade patches. En dépensant des charges d'amélioration, vous pouvez supporter de nouveaux et biotica plus forts sur cette case. Et maintenant, il y a des biotica à 2 étoiles. Ils sont ajoutés à notre collection. De nouveaux peuvent être débloqués. Voilà, parce que ça, on a joué qu'avec du 1 étoile pour le moment. Ce genre, on n'a pas du tout vu. Après, faut les débloquer dans les drafts. Parce que 2 étoiles. Oui, genre, t'as les oliviers. Oui, les armadillos. Celle du désert. Ah, oh, des trucs de fou. Monster. Gila Monster. Solitaire. Plus 125 de richesse, 75 de science. S'il n'est pas adjacent à un biotique animal. Laissez tranquille.
s'il y a entre 3 et 5 animaux dans le... Ah, c'est dans le biome! Dans le biome, pas adjacent. Moins 50 et 75% s'il y en a 5. Prédateurs. Oh. Oh mon dieu. D'accord. Le sage, assez dur. Hein. Je trouve que l'inventeur est quand même tous les biotica avec une curiosité de base gagne plus 40% s'il est unique dans le biome. Je trouve ça beaucoup plus simple. S'il est unique dans le biome. Mais ça, c'est juste mieux en fait, c'est 50%. Après, c'est sur la planète? Je pense pas. Bon, on va faire l'inventaire, je pense. Ok, malheureusement, les amis, c'est la fin de cette VOD. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de sortie sur Reus 2. Pour ceux qui sont en stream, ne vous inquiétez pas, on reste là et on continue. C'était la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis naturellement, ciao à la prochaine!